En retrait, le numéro 8, Hades du Teis, tout comme Jasper Sky, le numéro 5. Et c'est parti pour notre premier rendez-vous avec un bon départ au centre pour le numéro 3, Jack Bailey. On est repris quelque peu avec le 4, Hiroko Del Sol. Hermès Herblinet va venir rejoindre le sillage de l'animateur dans quelques instants. Elio Diret sera bas pour venir accompagner Hermès Herblinet. À l'arrière, on retrouve Jasper Sky et Hades du Teis qui a assuré sa mise en jambe. Allez, on est en tête effectivement avec Jack Bailey qui a l'avantage devant le numéro 2, Hermès Ronvillé à l'extérieur, Elio Diray qui se rapproche. Nous avons ensuite sur une troisième ligne Hiroko Del Sol accompagné par le 6 Horizon Magique. À l'arrière, Othello de ligne avec Hades du Teis qui a pris son temps. Jack Bailey, Anna Huggins et la Kazakh et l'entraînement de Basque-Rébasque qui anime cette épreuve, accompagné par le numéro 7, Elio Diret, suivi à côté corde par Hermès Herblinet, à l'extérieur l'un des favoris, Horizon Magique, vient en quatrième position, un très bon parcours. On voyage entre la corde et l'extérieur avec le numéro 4, Hiroko Del Sol, qui assure un troisième rideau, accompagné à son extérieur par l'as Othello de Ligny. À l'arrière, toujours les deux mêmes, côté corde, le 8, Hades du Teis, à son extérieur, le 5, Jasper Sky. Allez, on va repasser dans les tribunes dans quelques instants avec Jack Bailey qui est en contrôle dans cette course. Hermès Ronvillé en deuxième position. À l'extérieur, Elio Diray. Troisième ligne composée du numéro 4, Hiroko Del Sol avec le 6 Horizon Magique. Et on ferme toujours la marche avec l'As Othellonini, le 5. Jasper Sky et le 8 Hades du Teis. Un dernier passage devant les tribunes avant l'arrivée avec pas beaucoup de changements. Toujours Jack Bailey seul au commandement à présent, suivi par Hermès Herblinet. On est sollicité et réveillé quelque peu avec le numéro 7 Elio Diret pour maintenir le cap. Ensuite on vient toujours côté corde avec Hiroko Del Sol sur un troisième rideau. Horizon Magique qui s'annonce en troisième personne en quelques instants, sans doute toujours à l'arrière Othello de Ligny, Hades du Teis et Jasper Sky qui fait l'intérieur à présent. La ligne d'en face avec pour l'instant Jack Bailey qui est en contrôle véritablement. On a du mal avec Hermès Ronvillé à suivre l'accélération de Jack Bailey, l'accélération d'Horizon Magique qui vient en troisième épaisseur et qui est en train de passer quelques adversaires et Anna qui continue d'accélérer avec Jack Bailey qui tente de gagner cette course dans la fuite. Jack Bailey qui tente son salut dans la fuite, une faute à l'arrière de Hades du Teis. On tente de revenir avec Horizon Magique et surtout avec l'as Othello de Ligny. 3-4 chevaux se détachent dans les derniers virages pour la victoire. Hermès Herblinet se relance bien côté corde également. Le tournant final, Jack Bailey qui a été repris quasiment par Horizon Magique et qui s'est bien rapproché en deuxième position. Côté corde d'Hermès Ronvillé, attention parce que Jack Bailey a accéléré en face. Est-ce qu'il va pouvoir se relancer en ligne droite? C'est pas sûr, avec toujours Horizon Magique qui va le mettre sous pression. Jack Bailey qui est toujours honnêtement en tête cependant. Jack Bailey toujours seul au commandement, le rabat les œillères à l'entrée de la ligne droite avec Horizon Magique qui va se relancer après avoir assuré son virage. Les attentistes arrivent avec Hiroko Del Sol et Othello de Ligny tout à l'extérieur. Jack Bailey qui va connaître une fin de course compliquée semble-t-il, mais qui a toujours nettement l'avantage. Jack Bailey qui va le faire, qui va permettre à Anna de rejoindre Jules et de passer en tête donc au Sulky d'Or. Le 3, Jack Bailey qui s'impose devant le 6 Horizon Magique. La troisième place pour le numéro 4, en l'occurrence Hiroko Del Sol. L'as Othello de Ligny s'est montré fautif dans les derniers mètres.